après Raoul. Attends, je te vois pas dans le cadre de la caméra. Ouais, Raoul. Yo yo yo, yepi yo. Non, viens, 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 subtilité. Vas-y, fais tout péter. Fais tout péter. Fais tout péter. Ça va, subtilité. Ça va. Voilà, c'est ça. Ah, oh, purée, quel boulet. Mais je vous jure, je suis avec un cinglé, là. Il sait même pas conduire. Et bonjour tout le monde. Oh, et bienvenue dans Freeze et Impact, la nouvelle série événement. Bonjour, Ishi. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer, même petit Jean, non pas à un faux raccord, mais plutôt à la mission 3 de Calamar. Ouais. Calamar le pénible. Voilà, donc on se dirige vers la mission 3 de Lamar LD. Bah, j'attends LD que mon GPS mette le poids sur le LD3. Oh purée, j'avais oublié ça aussi. Ça commence bien, ça commence bien. Hop. Sans les lags, s'il vous plaît, merci. Ah non. Je pensais que c'était plus. Pourquoi t'es en fantôme dans la voiture? Parce que là, je suis en mode passé. Wow. J'espère que t'as pas la gerbe. Ben si, ça y est. Oh, des caddies. On va aller voir faire les courses de la mare. C'est vraiment ça en fait. Il est où le poids? Ah, il est. C'est parti sans moi. Le poids G. La mission s'appelle le poids G, gars. Le point G. Oh putain. C'est pour bon, moi. Bon bah. Peggy 18. Bon allez, tu rentres, tu m'invites. Oh. On va changer un petit peu. Toujours à moi de tout faire ici. Ah ouais. Bah quitte. Parce que c'est pour que deux. Il y a un gars, il vient d'arriver en camion. Ah oui, bah. Il essaye de me shooter. Eh, mais attends, il peut m'atteindre, je suis pas en mode passif. Ah si. Je sais pas ce qu'il voulait alors. Bah, ouais, il voulait buter, mais il savait pas que t'étais en passif, je crois. Oh là là, mais il y a des boulets partout. Bon, mes chaussures prennent l'eau, tu m'invites quand? Bah, je relance. Hein. Putain, mais quel tour de calamar. Je suis l'hôte, mais il y a un autre joueur. Je peux pas le virer. Ah oh, purée, bon bah quitte. Si. Ah purée, je suis tout seul dans la partie, tout le monde a quitté. Vas-y, avec moi alors. Moi je vais essayer alors. Hop. Même ma voiture elle est partie. What? Tu m'avais de quoi? Mosley Auto. Bah dès qu'il y aura plus personne, mais il y avait quelqu'un. Ah. Je le refais? Vas-y, à ton tour. Le problème c'est que dès que je lance, il y a quelqu'un qui est dedans quoi. Il y a quelqu'un là? J'ai pas, je suis à charge. Non. Ok, bah invite-moi. T'es un vite ami parce que je suis plus dans la session. Vas-y. Je t'envoie. Bah j'ai rien. Ok. T'es dans GTA là? Oui, je suis dans GTA, je t'attends. Je t'envoie David. Voilà, c'est bon. T'as reçu? Le point G. Ok, le point G, il faut reprendre une voiture. Bon, comment ça? Ils ont l'air encore plus pourri que celle d'avant. Tu veux que je conduis ou... Où on y va? Ah bah je crois qu'on doit prendre ça quoi, c'est un peu chaud quoi. Ouais, on doit prendre deux voitures. Bon, il s'arrête de pleuvoir, c'est l'essentiel. Ouais, mais ça va patiner à mort. Ah bah là il y a eu quelque chose de très grave. Qu'est-ce que fout cette voiture cette bagnole là? Je sais pas, mais on dirait qu'elle a explosé. Tu arrêtes pourquoi là? Bah parce que je regardais s'il y avait un truc de la sécurité. Ouais ça. Ouais. Ça casse pas. On va crever bon. Par contre. Bah, vraiment. On est dans Rocket League. Comment je mets un abri encore? Croix. Non, croix c'est les drôles. Faut laisser appuyer sur croix. Non, ça marche pas avec ces bagnoles de mort. Auto. Ah, j'ai encore oublié. Ah bah non, c'était à moi de la mettre. Ah bah oui. Ah bah oui. Putain, maintenant il y a un hélicoptère, bah laisse tomber. Ouais, bah attends, j'ai plus de vie. Ah oui, merde, c'est les trucs à la con. Tu veux qu'on fasse comment ça? Bah, deux, c'est pas possible. Bah, on peut être que deux dans la mission. Ah, bah, je suis mort. Alors, mais là, je veux bien, moi, mais. J'ai pas les 50 hélicoptères, tout ça. Je crois qu'on aurait peut-être pas dû aller à la barre. Non. On veut qu'on fasse comment? D'où l'intérêt que j'avais freiné. Attends,
Moi je dis qu'il y a encore une solution. On fait le kamikaze, on fonce, on met les explosifs. Et on fait appel à la force. Bah moi je dis, voilà. On prend ma voiture. De toute façon, il n'y avait même pas besoin. C'est ça ta bagnole? Ça, c'est ma voiture de transporteur. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait rouler des bagnoles de merde alors, tantôt? Je sais pas. J'ai mon Rolls Rocket si tu veux. Oui, prépare-le. Ouais, il est préparé. Mais pour cette mission, il faut essayer de pas atteindre les 3 étoiles. Oh, c'est pas possible. Dès que tu rentres dans l'aéroport, t'en as un 4. Non, regarde, avec subtilité. Hop. Voilà. Là, on va se cacher ici. Et là, on est bloqué. Tu veux qu'on y va à pied de là? J'éteins le moteur. J'aime bien avec la musique. Allez, vas-y, yo. T'es prêt, Raoul? Attends, je te vois pas dans le cadre de la caméra. Ouais, Raoul. Yo, 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 yepi, yo. On va se faire des brochettes. Non, viens, 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 subtilité, vas-y, fais tout péter, fais tout péter, fais tout péter! Ça va, subtilité? Ça va! J'ai plus de gilet. C'est une alarme que j'entends ou. C'est pas le joystick droit? Non, c'est comment on change d'épaule? J'y vais vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah. Il y a les hélicoptères donc. Mince. Mon collègue était à terre, j'étais pris. Je veux plus d'hélico, c'est ça? Je veux plus rien. Un hélicoptère en moi. Là, je tire tout dans l'échelle, comme par hasard. Oh, attends, faut que je prenne un casse-croûte. Vas-y, vas-y. Oh, j'ai pas eu le temps. Non. Il y a ma femme. Non. Allez, monte. Vas-y, accélère. Ouais, oh. Transporte monsieur le ministre, hein, du Zimbabwe. Chéri qui se balade avec un lance-roquette dans la bagnole. Pour mieux vous prothéser. Vous prothéser. Prothéser, ah. C'est pour mieux vous prothéser. On va vous mettre une prothèse, monsieur. Monsieur, nous sommes prothésés. Donc, il y a autant. Bon, on s'en fiche ici, on est en Amérique. Avance. J'ai une idée. Oui. Tiens-toi prêt. Il va avancer dans tous les flics. Mais le coup, il me lâche en plus. T'inquiète. Bah oui, t'inquiète. Je prends toutes les balles dans la gueule, t'inquiète. J'ai mis une bombe, je peux la faire sauter. Bah, je suis mort, hein, je dis ça. Non mais c'est bon, regarde, on est encore en vie. Ah, on a fusionné, c'est beau. Il est con. Je t'arrête, tu descends, tu jettes la bombe. C'est une bombe collante. Ensuite, tu fais péter. Oui, oui, oui. Okay, bah, et ensuite, tu te fais péter. Bah, vas-y, prépare là, tu sais comment la déclencher. Non, non, faut que c'est moi qui conduis. Ah ouais. Faut que c'est moi qui... Mais reviens. Ah, c'est cruel alors. Il est fou à felou. Attends, mais vas-y. Bon, t'as compris? Comment on lance? Et ensuite, tu te fais péter. Fais un test ici, au pire, non? Ah, j'ai peur que ça... Ah oui, tu fais gâchette gauche et droite. Mais après, pour la déclencher, je ne sais pas. Ça doit être rond. Ah, Tu sais le faire péter ou pas? Fais gaffe, y'en a une dans toute ta bagnole là. T'en as encore? Plus que 21, mais ouais, très classe. Je sais pas. Tu sais la faire sauter au moins? Ah non, j'essaye. Mais il... Ah, touche de gauche, c'est bon. D'accord, tiens-toi. C'est la dernière que vous avez testé, que... gars, je dis ça du rien. Ok. Parce que tu te fais. tu te suicides en gros, hein, mais t'attends que je parte. Attends. Vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est ouvert. Vas-y, fais péter. C'est cool, c'est bon, en plus. Faites sauter les portes du fourgon et sauver Gérald. Ça a pas marché? Ah si. Non, t'arrêtes pas, roule. Je lance les trucs. Ah d'accord. Ouais mais il faut sauver Gérald. Ouais, il va crever. Ah, il est là-bas. Non, je vais aller le chercher en voiture. Viens Gérald. Vite, mais monte putain. Emmenez Gérald. Ah putain, faut sortir d'ici. Ouais. Pacas, j'ai pété toutes les flics. Putain, le con! Le con, il nous a fait sauter! Mais non! C'est pas moi, c'est eux! Si. Non!
Il nous a fait sauter! Ah, mais en fait, il y avait encore une ancienne V dans le dessous de nous, je crois. Parce que je l'avais lancé loin, je ne l'ai pas lancé sous la bagnole, c'est pas possible. Bon, maintenant on a compris. On fait péter la porte, on récupère Gérald et on se barre. Ah ouais, j'en ai 27. Merde, j'ai tiré comme un con. C'est là, on est pas. Mais elle est où la voiture? Elle a explosé. Ah, mais je dois la repayer. Donc c'est, bon, c'est écoute, on va chercher. En fait, je sais que c'est pas moi alors. Attends, j'en ai une. Mais non, non, non. Non, il faut une 4 portes pour l'autre. Oh, mais. Bon, attends, mais gros. Bien, j'ai un break. Allez, dépêche, Rookie. T'as c'est tes quoi, bombes. C'est la seule que j'ai trouvée potable. Il m'en coûte les bagages sur le toit, quoi. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui. Attends, donc c'est ça. Voilà. Je suis prêt. Ok. Bon, tiens-toi prêt. Ah, parce qu'on va récupérer Gérald. Ah, je vais t'arrêter pas derrière, donc tu t'arrêtes pas derrière. Tu l'as fait péter. Oui, là c'est pété, vas-y. Il est où Gérald? Mais. Arrête. Ah, j'arrive pas. Il est où ce con? Ah, je suis mort, hein. Pourquoi tu t'arrêtes? On peut mieux rouler. Roule juste doucement. T'arrêtes pas. Faut le temps que j'arrive à visser les trucs. Oh là. Mais je suis trop loin. Vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Oh, non, roule juste lentement, dépasse les trucs, tu fais comme si de rien, moi je lance les C4, hein, parce que j'en lance pas qu'une, hein, j'en lance plusieurs pour les flics aussi. Hein. Je fais comme si de rien, c'est les flics qui sont gênés avec leur rat. C'est ouais, pour ça fait... que je te dis. On fait passer dans notre petit break. Mais toi le truc c'est que toi tu t'arrêtes derrière le camion, après tu sais plus avancer, t'es juste à côté. Attends, ça ce sera mieux, c'est de la qualité supérieure. Eh, mais Roland, viens là. C'est bon, casse pas notre véhicule. Oh putain. Non, dans l'autre sens, derrière. Il faut aller derrière. Putain, parce que ça fait difficile. Casse le carreau. Ah, tu le casses pas. C'est 4 est prêt. Mais roule doucement quand tu les dépasses, parce que avec la vitesse, ça va pas où je vise. Hein. Bref, d'accord, ouais. T'inquiète. J'ai pas assez d'expérience dans GTA pour pouvoir viser. Prends le virage large. C'est bon. Avance, faites demi-tour, roule. Pourquoi ma voiture elle avance pas? Qu'est-ce qui se... Gérald il est sorti ou pas? Ouais. Vas-y. Ah non. T'es non, sûr non. Hein bah, je m'occupe. Ah on a pas pété la porte. Je fais. T'ai dit, par contre je peux pas viser l'arrière. Vas-y. Vas-y là maintenant. Si tu restes avec la bagnole c'est chaud. Allez! Mets-toi à l'abri, mets-toi à l'abri, mec! Ah, France! Accélère! J'ai ça cadeau dans moi! Oh putain! Bon, on change d'arme. Sois poli, gars, t'as sauvé ton cul. T'as fait 15 fois qu'on essaie de te sauver ton cul, alors. Tu regardes au moins le GPS ou tu lis? Je fais les deux. Parce que tu viens de rater la bonne sortie. Non, c'est celle-ci la sortie. Ouais, il va te remettre celle-là, mais c'était pas celle-là. Tourne à gauche maintenant. Je sais, t'inquiète. Mais tu t'en fous de la route. Ne me stresse pas. Ne me stresse pas. Gauche. Tu as encore du C4? J'en ai. Des grenades. Non, c'est bon. Range-les dans ta poche. Tu le vois? Oui, je le vois. Et là, il y a un connard qui arrive, tu sais, qui tire du 7ème étage là-bas et pioum. Et on explose. Oh, je vais t'arracher le bras, arrête. Ça fait qu'il y a des petites explosions quand même. Si tu me fais fail la mission, je change de partenaire. Attends, ralentis. Voilà. Ah bah voilà, bah voilà. Bah bravo, en plein devant le commissariat. Oh purée. Ça va, c'est qu'une étoile, ça va. Pas les étoiles de nuit si on tracasse. Mais je peux recommencer. Non. Range-le. Bouge ta barre. Gauche. Coupe. Bon, c'est moi qui conduis. Bah oui, mais moi j'ai envie de jouer à la C4. Bah voilà. C'est pour faire la petite balade, il faut faire durer l'épisode. Il dure assez longtemps là.
Mais vas-y, toi, accélère pendant que je tourne. Pourquoi est-ce que tu roules? Mais par où tu vas, c'est les cyclistes là. Ah ouais? Bah, les piétons et les cyclistes. Y'a un hélicoptère juste en haut. Mais alors, pourquoi l'étoile elle veut pas descendre? Elle a bugué, je crois. Rentre! Rentre, v'là une voiture! V'là une voiture! Y'a pas de bagnole de toute façon. Vite! Ah si! Mais si, on v'là une, vite! Mais rentre pas le gros. Vite! Allez! Fais-toi repérer. Mais le gros, tu oublies. Putain! Mais il est. Voilà. Ah! Oh purée! Par contre, on va pas le gars qui est devant nous, c'est bon, on a de nouveau. Non! Range ça! Il y a les flics juste là. Juste avant que tu nous rentres sur le point. On doit attendre. Ouais, je l'attends avec lui. Avec le C4. C'est là que je fais péter de la bagnole. Pendant qu'il part. Échec. Pourquoi il reste là? Attends. Il est long, hein. Il sait peut-être pas conduire. Il cherche peut-être les clés. Ah ben, en fait, oui, il sait pas conduire, c'était juste pour le stade. Bon, bah, je reste dans la voiture. Dans un sens, il doit pas avoir les clés vu qu'il sort d'un fourgon de police, quoi. Il doit rien avoir. Son... Genre, le gars, il est habillé en normal, il a pas de menottes. C'est ça, il a encore son chapeau en plus. Et c'est quelle voiture? Voilà. On aimerait tous être comme ça. Alors on va charger pendant 2 heures. Ouais, bah ouais, mais écoute, hein, c'est comme ça après chaque mission. Hein. Bon, bien, on a avancé. Hein. Qui veut du pèse? Du quoi? Du pèse, des bonbons pèse. P-E-Z. Je connais pas. Voilà, tu verras la caméra. D'accord. Par contre, ça charge le jour. Ouais, mais c'est normal, c'est pour le susprout. Que va-t-il se passer? Voilà. Et ben voilà, mesdames et messieurs qui avaient regardé cette vidéo, qui suivaient ce let's play, nous vous disons à la semaine prochaine ou à la demain pour la suite, une suite éventuelle. Donc on va continuer l'émission de Calamar, notre ami préféré qui nous envoie risquer notre peau. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. On vous dit donc à bientôt. Soussoul. Soussoul.